Alors attends, je te laisse l'enlever. Bah, tu peux juste me dire comment ça s'est un peu passé le sprint là? Bah, je peux pas trop dire, parce que moi j'avais pas d'image, j'avais rien. J'ai juste eu Arnaud à l'arrivée qui m'a dit que c'était très 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 chaud. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, il va faire 6 quand même, donc après, quand on regarde les 6 premiers, c'est tous des vrais sprinters, donc ça devait se tenir à peu de choses, je pense. Le final, c'était assez, assez chaud quand même pour aller les rechercher, donc vous étiez confiant. Confiant, oh, oui quand même, parce qu'on savait que les 2 derniers kilomètres, c'est un boulevard. Vous avez un petit vent défavorable, je crois, donc vous avez quand même fait tout devant, donc logiquement vous allez les chercher. Ouais. Donc voilà, il est assez confiant, même si on a toujours une petite peur quand même, attends qu'ils ne sont pas rattrapés. On va pas... Mais bon, oui, on était quand même confiant pour une arrivée au sprint. Vous vous concentrez sur quoi maintenant? Rudy, demain le contre-la-montre, je pense, parce qu'il peut viser une place au général quand même, donc le contre-la-montre c'est important pour lui. Et puis jeudi, bah, on va remettre ça. Hein. On ne peut pas une arrivée au sprint, on l'espère. Merci.